Quand on est dans la même boîte, on peut se faire un peu de choses. Quand on est dans la même boîte, on fois de plus d'être toujours branché sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tetanzambe le Tout-Puissant. Je vous remercie tous, pour tous ceux qui se sont abonnés récemment, parce que le mois dernier, il y a eu près de 1300 abonnés, et ce mois-ci, pour nous ne sommes pas encore à la fin du mois, il y a déjà près de 700 abonnés. Je vous remercie beaucoup pour donc l'intérêt que vous portez sur ma humble personne, et surtout sur le peu de connaissances que je partage avec vous, car j'avoue que moi-même, en 49 ans de recherche sur le cheminement spirituel, je découvre et j'apprends tous les jours. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un sujet en rapport avec le silence. J'en ai déjà parlé de l'importance du silence, mais je vais encore insister. Quel est le rapport entre le silence et être muet? Vous savez, une personne qui est muette, c'est une personne qui est je voulais dire que le rapport entre la personne qui est sourde, autant pour moi, la personne qui est sourde et le principe du silence. Quel est le rapport entre ces deux? Être sourd et garder le silence. J'avais expliqué dans plusieurs enseignements, ici même sur cette chaîne, l'élu de Tetanzambe le Tout-Puissant,
l'importance de garder le silence, l'importance d'observer le silence et l'importance de vivre le silence. J'ai même donné des références que vous pouvez vérifier vous-même, vous pouvez même vérifier sur Google, parce que Google devenant ainsi la référence de recherche pour la plupart des gens, mais j'avoue personnellement que je ne me confie pas trop, je n'ai pas trop confiance à Google, mais je fais mes recherches sur la plupart des grandes encyclopédies qui sont disponibles. Comme vous le savez, les encyclopédies sont les seuls réceptacles de connaissances ou les seuls livres qui peuvent vous donner les véritables connaissances qui ont été testées et qui sont vérifiables et approuvées par la plupart ou par le collège des grands savants du monde entier. D'accord? C'est comme quelqu'un qu'on va attribuer le prix de prix Nobel de la paix. Souvent, on ne le donne pas à n'importe qui. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Quelqu'un qui a démontré, qui a touché le cœur de la majorité des humains sur la terre. Donc, le principe du silence, je vais aujourd'hui l'appliquer avec l'état de surdité. Quelqu'un qui est sourde. Il y a ceux qui naissent sourds. Par contre, il y a ceux qui le deviennent. Cette surdité peut être due à l'os qui se trouve à l'intérieur de nos oreilles. C'est-à-dire que cet os-là, à un moment donné, peut grandir et vous empêcher de pouvoir bien entendre ou écouter, jusqu'à vous couper complètement de l'extérieur. Donc, quand vous êtes coupé complètement de l'extérieur, vous devenez sourd. Je vais donc partager avec vous une information que vous pouvez vérifier. Il s'agit de M. Beethoven. Beethoven fait partie des personnes qui ont écrit beaucoup et qui ont été des grands artistes des musiques ou de la musique classique. Au même titre que Mozart, Richard, d'autres que vous connaissez, la majorité sont des Russes qui ont révolutionné le monde de la musique classique. Et voyez-vous, alors Beethoven, je l'aime beaucoup et j'aime écouter beaucoup sa musique classique, surtout les symphonies. Il a eu beaucoup de succès avec la symphonie numéro 9. La symphonie numéro 9 de Beethoven, que vous pouvez vous-même faire des recherches sur le programme Google ou encore sur YouTube, vous pouvez l'écouter. Elle va vous amener très loin. Beethoven, pourquoi j'ai pris son exemple? Parce que moi, je ne savais pas. J'ai étudié Beethoven il y a de cela 25 ans. Je suis rentré dans le monde de la recherche sur la musique classique. Parce que sa musique classique m'a beaucoup touché personnellement. Rassurez-vous que j'écoute pas mal de personnes. Hein. J'écoute Beethoven, j'écoute Mozart. J'ai une liste de pas mal d'artistes que j'aime bien écouter et que je vais pouvoir partager avec vous ici. Par exemple, je vais vous donner quelques noms que vous pouvez vous-même faire la recherche et découvrir qui ils sont. Vous avez certaines personnes telles que Bach ou encore Bach. Vous avez Chopin, vous avez Mozart et je viens de parler de Beethoven. C'est des gens qui ont influencé le monde de la musique classique. Et aujourd'hui, ils ont réussi donc. Il y a même un que j'aime bien écouter, il s'appelle Tchaïkovski. Ce monsieur, j'aime bien écouter sa musique également. Vous avez également des Vivaldi, Grieg, Strauss et bien d'autres. Mais la personne qui m'a beaucoup impressionné, c'est Monsieur Beethoven. Pourquoi? Vous posez la question, quel rapport entre lui et le principe du silence et la surdité. Quel est le rapport entre la surdité et le silence? Vous verrez que tous, bien que la forme elle est différente, mais le fond va rester le même car ces deux éléments de la surdité et le silence va vous amener à obtenir le même résultat. Jusqu'à l'âge de 25 ans,
À la naissance, M. Beethoven, il est né un enfant normal comme tout autre. Il pouvait entendre, il pouvait apprécier les sons. Mais malheureusement, plus tard, à 25 ans, ça s'est empiré. Donc, l'os qui se trouve à l'intérieur de l'oreille avait pris une ampleur telle que finalement, ça avait bouché complètement les oreilles. Et à la fin de sa vie, il finit sourd. C'est ainsi que la plupart des musique qu'il a écrite et qu'il a jouée, qu'il a fait jouer, qui se joue aujourd'hui dans la plupart des grands opéras et orchestres, il les a réalisées après l'âge de 28 ans, 30-40 ans. Et il était déjà sourd, sourd total. Il ne pouvait rien entendre. Certaines personnes se posaient des questions, mais comment, étant sourd, pourrait-il écrire et faire en sorte que les gens apprécient sa musique classique? Eh bien, c'est là où il est devenu pour moi sur la liste des génies. Il était finalement, et il est toujours sur la liste des génies de la musique classique, depuis le 16e jusqu'au 21e siècle. Il reste l'un des meilleurs. Eh bien, quand on devient sourd, on est coupé du monde extérieur. Ça n'a pas empêché Beethoven d'écrire cette belle chanson, surtout les symphonies. Et je vous parle de la symphonie numéro 9 parce que celle-ci, il a réalisé, il était sourd. C'est formidable. Malheureusement, je n'ai pas les droits d'auteur de faire passer les chansons de Beethoven ici, mais je vous recommande de commander en ligne. J'ai au moins une soixantaine de classiques de Beethoven, une cinquantaine de classiques de Mozart. Et Tchaïkovski, Strauss, Bach et bien d'autres. Il y a même un japonais que j'aime bien écouter. Toutes ces musiques classiques ont leur raison et ont comment dire, un rapport avec votre élévation spirituelle également. D'accord? Ça dépend de ce que vous choisissez. Par exemple, moi j'aime la symphonie numéro 9, surtout lorsqu'elle est jouée en allegro. Allegro qui vient du mot allégresse. L'exprime l'allégresse. Et qu'est-ce que c'est le mot allégresse en français? Eh bien, vous verrez ce que ça peut vous procurer comme joie et que cette musique peut vous emporter loin. Je parle de la symphonie numéro 9 de Beethoven. Il y a aussi les concerts. Il y a concerto numéro 1, numéro 3 jusqu'au numéro 5. Mozart également. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de vous parler de tous ces grands artistes classiques que je vous recommande d'écouter de temps en temps, car ça va vous aider également à apporter la paix en vous et surtout de diminuer votre rythme cardiaque au cas où vous avez des problèmes. Et j'ajouterai donc l'importance, pourquoi je parle de la surdité, le rapport entre la surdité et le silence, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur, lorsque vous allez réussir à vous mettre dans cet état de silence, vous communiez uniquement avec l'intérieur. C'est cela le silence. Enfin, au niveau spirituel que j'ai atteint, pour moi, le silence, c'est cet état où vous ne vous souciez plus du monde extérieur, du monde des vibrations, du monde des vibrations extérieures, voulais-je dire, du monde de l'environnement direct et indirect. Vous n'êtes plus affecté par cela, parce que vous vivez dans ce silence. Et dans le silence, j'ai dit aux gens que c'est un moment où vous vous connectez avec l'intérieur, mais quand vous vous connectez avec l'intérieur, en réalité, vous vous connectez avec la grande force cosmique universelle. Vous vous connectez avec les forces invisibles, invisibles à l'œil nu, mais réelles dans le monde métaphysique et dans le monde des reflets. C'est une communion de votre âme avec l'âme universelle. Or, cette communion, elle est possible uniquement et réalisable que dans le silence. Le verbe sert peut-être circonstanciellement pour faire passer certains messages codés, mais que seuls les initiés peuvent comprendre. Voilà pourquoi certains êtres, certains grands prophètes, certains grands chercheurs ou certains grands maîtres, disais-je, pour ne pas tautologique, souvent faisaient passer leurs messages de manière codée, par des proverbes, par des exemples, des métaphores. Seul donc l'initié pouvait comprendre au fond de lui-même la portée et l'importance du message qui était projeté. Donc, le rapport entre la surdité et le silence, il est bien établi là.
Parce que quand vous êtes sourd, vous êtes coupé du monde extérieur. Le cas de M. Beethoven, que j'ai ici un grand respect, il est tombé malade, il a fini le reste de sa vie étant dans cet état. Mais c'était quelqu'un de très sage, c'était quelqu'un qui dégageait beaucoup de pouvoir en lui, si vous étudiez sa vie privée, sa biographie. La surdité donc a développé beaucoup d'autres qualités en lui. Et c'est pour cette raison que vous remarquerez que les personnes qui ont l'handicap de parler ou d'entendre, souvent, c'est des personnes qui ont des facultés psychiques très, très élevées. Voilà pourquoi, moi, je préconise et j'ai toujours proposé depuis près de 40 ans dans le monde de la spiritualité, quand je commençais à faire passer mes connaissances de bouche à oreille auprès des gens, à l'époque, dans les années 78, 80, nous n'avions pas ces moyens de communication via les réseaux sociaux, via Internet, pour pouvoir imprimer dans la conscience des auditeurs ce genre de connaissances, parfois riches et empreintes de sagesse et surtout de l'éveil de votre conscience. La surdité donc, disais-je, cache ce que l'homme extérieur ne peut pas voir. La surdité cache tout ce qui est extérieur. Il faut rentrer à l'intérieur avec une lucidité et une sagacité et sagesse profonde pour comprendre ce qui est bloqué à l'intérieur, comprendre ce qui se murmure à l'intérieur. Voilà l'avantage de la surdité. Bon, la surdité, c'est un handicap, certes, mais vous verrez que les gens qui sont sourds de nature ou qui sont muets ou qui sont aveugles, animaux qui n'arrivent pas à voir, à entendre, à sentir, souvent, ces mecs-là, ils ont des facultés psychiques plus développées que l'être normal. Tout être normal a des facultés psychiques, mais qui sont endormies. Nous avons tous nos facultés psychiques, nous avons tous des pouvoirs, mais qui, pour beaucoup, sont simplement endormis du fait, un, de l'ignorance, et de deux, d'attendre la période incubatoire lorsque le déclic initiatique va se déclencher. C'est-à-dire que lorsque les grands maîtres invisibles, les entités de l'au-delà, l'esprit premier va décider qu'il est l'heure pour vous de vous réveiller. Et c'est ainsi que le déclic va se passer ainsi, pour pouvoir vous connecter à la source fondamentale. Garder le silence joue le rôle de pouvoir se taire, mais de développer le plus les qualités intérieure. Garder le silence, c'est cela qui permet l'homme fondamental d'établir le contact avec l'esprit fondamental. Et c'est ainsi, quand cette connexion est établie, eh bien vous verrez que dans le plan matériel, physique, beaucoup de choses vont se manifester. Et le commun des mortels va appeler cela la magie. Mais ce que le commun des mortels appelle la magie ou la manifestation de ces pouvoirs ou phénomènes paranormaux qui sont manifestes, cela résulte du travail que vous faites dans le silence. Voilà pourquoi le Jésus des chrétiens, paroles qui ont été bien sûr attrapées, trafiquées et modifiées, a dit quelque part que les véritables adorateurs que mon Père ou Dieu cherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est dans le silence absolu. J'ai déjà posté près de 5 vidéos ici qui datent d'il y a de cela près de 4 ou 5 ans où j'explique aux gens comment prier en esprit. La prière en esprit, elle est la plus efficace lorsque vous avez réussi à maîtriser les mécanismes de prière et de connexion avec le monde métaphysique. Lorsque vous avez maîtrisé ces mécanismes-là et que vous désormais communiez uniquement en esprit. Quand vous communiez en esprit, c'est aussi le silence. Car en réalité, celui que vous appelez Dieu, les entités, les génies, les esprits, ne parlent pas dans le plan matériel, mais nous parlent en esprit. Pour nos frères qui ont eu le privilège de voyager dans l'espace et le temps, y compris votre humble serviteur, communier avec les entités de l'au-delà, souvent, on communique avec eux en esprit. Lorsque nous sortons en bilocation consciente, c'est-à-dire ce que vous appelez sortir en vampire, souvent, on communique là-bas en esprit. On n'utilise pas le verbe,
Les frères qui communiquent avec les extraterrestres, telles que les visites qui se perpétuent jusqu'à ce jour, il y a des experts russes, américains et même sud-africains, et même dans la zone de Ndéndé au Gabon, il y a des frères qui ont eu le privilège de voir ces objets volants, des extraterrestres. Certains ont réussi à communier avec eux en esprit. Dans la zone d'Adegelié, en allant vers le lac Kazingo à Lambaréné, il y a une entrée et sortie, une zone portique de ces entités-là. Que moi, personnellement, dans les années 75-76, j'ai pu vivre l'expérience d'être en communion avec ces êtres-là, qu'on appelle les extraterrestres, qui sont des êtres qui existent, bien sûr, puisque nous ne sommes pas les seuls qui vivons dans cet environnement galactique ou dans ce milieu. Ceci donc pour dire quoi? Que la communication établie avec les anges, les génies, les ancêtres et autres, la communication la plus efficiente, elle doit se faire dans le silence total. Vous devez vous considérer comme quelqu'un de sourd. Apprendre à observer les autres. Quand vous allez, en tant qu'initié des grands mystères, vous allez vous asseoir dans des lieux publics. Il n'est pas interdit, hein, mais je suis catégorique, moi je refuse d'aller dans les boîtes de nuit. Quand j'y allais souvent, j'allais plutôt pour observer. Je gardais le silence total et les gens me trouvaient des bizarres. Effectivement, quand j'observais, c'est là où je ressentais les effluves négatives de certains et parfois les vibrations d'autres, par contre, qui étaient très avancées, mais qui venaient simplement venir voler les énergies, venir voler les forces que dégageaient certaines personnes qui avaient déjà leur taux vibratoire à de hautes fréquences à un certain niveau, mais ne connaissant pas ces petits principes de base, qu'en réalité, quand on a atteint un niveau spirituel, à un certain niveau, il ne vous est plus autorisé de pouvoir vous rendre dans les zones ambiantes, c'est-à-dire là où il y a de l'ambiance, où il y a le bruit. Mais un véritable initié ne doit pas fuir ces zones, parce que dans ce bruit, justement, dans ce tintamarre, vous pouvez réussir, dans le silence total, de récolter certaines forces, de communier avec certaines forces, et de visionner même certaines forces. Donc, la surdité dans le plan matériel, c'est vraiment gênant, c'est un handicap et ça crée de la pitié et de la réconsidération dans notre vie. Et ça peut même nous pousser à faire très attention. Mais la surdité naturelle, c'est celle-là. C'est-à-dire que les os qui sont dans nos oreilles peuvent grossir de manière anormale et créer un bouchon. Et ce bouchon qui se crée au fur et à mesure va obstruer ou créer une obstruction au niveau de la volatilité, comment on appelle ça, du voyage des sons. Et ça crée cette coupure. Mais il y a également la surdité mystique. C'est-à-dire que les gens peuvent vous rendre sourd mystiquement en vous tapant un fusil nocturne dans vos oreilles parce que vous mettez trop votre nez et vos oreilles à écouter des choses que vous n'avez pas écoutées. Vous vous mêlez trop des informations qui ne sont pas accessibles à n'importe qui, et vous allez là-bas pour les prendre. Donc, certains maîtres avancés mystiquement, bien sûr, peuvent vous créer cette surdité mystico-spirituelle. Mais ici, j'ai mis l'accent en prenant l'exemple de M. Beethoven. M. Beethoven n'a pas eu une surdité métaphysique ou une surdité mystico-spirituelle. C'était plutôt médicalement prouvé que les os de ses oreilles avaient, n'est-ce pas, grandi de manière anormale et ça a créé cette maladie-là. À la fin, il ne pouvait plus entendre. Tout comme il y a des gens qui ont des gros yeux, d'autres qui ont des petits yeux, ainsi de suite, chacun a un défaut. Ce sont des défauts dits de nature, des défauts voulus parfois par le Créateur lui-même. D'accord? Donc, vous comprenez maintenant l'importance pour moi quand je parle de la loi du silence. J'exige des jours dans la semaine où moi-même j'observe ce rite-là. Mais quand je suis en congé, je m'arrange. Si j'ai 21 jours de congé, je prends parfois 10 jours où je ne parle pas du tout. Je m'isole complètement. Je deviens sourd. Je coupe la connexion avec le monde extérieur. Je fais ce que nous appelons dans le yoga tibétain
l'isolement psychique et physique. Donc, je m'isole psychiquement et physiquement du monde dans lequel nous vivons, momentanément, pendant 10 jours. C'est cela le véritable silence. Ce silence, donc, va me permettre de mieux vivre les réalités du monde métaphysique, me permet de vivre, mieux vivre les réalités de ce que l'homme ne connaît pas et ne touche pas. Est-ce que jusqu'ici, vous comprenez maintenant la relation entre être sourd et garder le silence? La surdité est une forme de silence absolu, de couper vos oreilles spirituelles, de ne plus entendre avec vos oreilles spirituelles, veut dire couper d'abord au niveau de votre oreille matérielle, de ne plus vous mettre à écouter du n'importe quoi. D'où mon avertissement où je vous avais dit, vous devez passer 2 heures maximum par jour au téléphone. Quelqu'un me dira, oui, mais mon téléphone est mon outil de travail. Oui, ok, disons que c'est l'outil de travail. Nous avons les ordinateurs. Là, par exemple, j'utilise également un outil qui me permet de me connecter avec vous. Ça s'appelle le tablet. Ok? Ça a une caméra très sophistiquée qui me permet d'enregistrer des milliers. C'est Apple qui est fabriqué par Apple. C'est illimité. Ça peut prendre plus de 10 000 gigabytes ou quoi que ce soit. C'est illimité. Ça, c'est autant de moyens. Mais je ne peux pas abuser de ceci, rester ici des heures et des heures, en train de parler. Quand vous êtes un véritable initié, il vous est interdit de beaucoup parler. Il vous est interdit de même trop donner d'informations. Donner peu, mais garder beaucoup. Je suis désolé, car c'est cela la loi des sciences occultes. On ne peut pas se permettre de tout déballer. Aujourd'hui, c'est une grande erreur que beaucoup d'entre nous commettons de vouloir diffuser comment faire ceci, et on se précipite, on va le faire. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Et mes frères initiés savent ce que je dis, que c'est la vérité. Pourquoi? Mais parce qu'ils veulent se faire du blé, ils veulent se faire de l'argent. La plupart vont venir vous dire, voilà comment faire ceci et cela, vous proposent des recettes, et à la fin, vous êtes bloqué. Ils sont obligés de vous déranger, ils vous disent, oui, bon, passe en privé, je vais communiquer avec toi, et là-bas, ils vont vous demander une somme d'argent. Nous savons que ce sont des formes d'appât pour attirer la plupart des gens qui n'ont pas encore l'esprit éveillé. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette partie, cet enseignement d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, veuillez le partager au maximum, likez au maximum, partagez auprès de ceux-là qui ont encore les oreilles tendues vers des connaissances inutiles. Les connaissances inutiles, sont les connaissances qui sont basées sur les programmations. Et comme je l'ai toujours dit, les programmations, c'est quoi? Ce sont les dogmes, les doctrines. Ce sont les interprétations de l'homme sur certaines vérités immuables et des principes de la vie. La religion, elle est venue pour diviser pour la plupart de cas, malheureusement. Donc, la même Bible, quelqu'un qui me posera la question, mais est-ce que vous croyez en Jésus? Puisque vous avez un problème avec les gens qui croient en Jésus, mais puisque on vous voit citer la Bible. J'ai dit ceci, la Bible n'est pas une propriété religieuse. La Bible n'a rien à voir avec les conneries. De la même Bible, les gens ont créé une religion appelée chrétienne. Mais Jésus n'a jamais été chrétien. Si on vérifie selon l'histoire que eux-mêmes les Romains ont fabriquée, Jésus, le Jésus dont eux parlent, ils disent qu'il est juif. Mais vous savez très bien que tous les juifs pratiquent le judaïsme. Celui qui a fabriqué la religion chrétienne, c'est quelqu'un qu'on appelle Paul, Saul de Tarse, devenu le Saint Paul. Mais ce Saint Paul a modifié. Le Saint Paul lui-même, il avait sa propre secte, la secte des vierges, où il fallait être vierge pour le reste de sa vie, pour faire partie. Mais pour ceux-là qui ne pouvaient pas, devaient se marier. Mais sinon, la virginité était exigée. Là, ça, bien sûr, c'est s'adressant aux jeunes femmes. La Bible, donc, n'est pas une propriété religieuse. Bible vient du mot biblios, biblia, ensemble de petits livres, ensemble de livres qui ont été compilés. Et nous avons vérifié, il y avait plus de 107 livres, d'accord? Sauf qu'ils ont compilé 66. Ça, c'est la décision des Romains en 325 de notre ère. Et là, dans cette Bible, il n'est nullement
question d'un certain Jésus, hein, rien du tout. Vous savez, ce sont les Romains qui ont fabriqué l'histoire à partir de l'histoire des Horus, nés de Isis et Osiris, qui étaient frères et sœurs, mais qui étaient en même temps rois et reines, qui font partie des 12 dieux qui se sont retrouvés du côté de l'Égypte, après autant pour moi, la destruction du continent de l'Atlantide. Il fallait créer une nouvelle race. Qui, de laquelle sont sortis ces mecs-là? Ils sont allés s'installer quelque part. Ce qui explique pourquoi l'empire égyptien était le premier empire du point de vue politique. Donc, nous avons eu l'empire de l'Égypte, l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire persique, si je ne me trompe pas, l'empire romain, l'empire assyrien, autant pour moi, l'empire romain, l'empire anglo-saxon, et septième, l'empire onusien. L'ONU que vous voyez forme le septième empire en 1948, et huitième, aujourd'hui, c'est le combat entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis européens. Ils sont en train de se battre qui va être le huitième empire qui conduira le monde. Et c'est lorsqu'on atteindra ce huitième empire-là que tout le cycle va reprendre à zéro, et malheureusement, tout reviendra à l'Afrique, parce que le nombre 8 symbolise ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Le nombre 8 plus l'infini moins l'infini. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est cela le nombre 8. Donc, voilà les empires. Le premier empire était l'empire égyptien, qui était le plus puissant. Pourquoi? Mais parce que c'est de là-bas après la destruction de l'Atlantide. Les informations que je vous partage ne sont pas des déclarations gratuites. Vous pouvez vous documenter, vous pouvez lire. Allez-y dans les librairies, la librairie inconnue, du continent perdu, à la conquête d'un nouveau continent, à la conquête d'une nouvelle planète, les origines des planètes, combien de planètes y a-t-il eu depuis le commencement de la vie ici sur Terre, mais cette vie a commencé dans les eaux, comment donc la vie a commencé dans l'eau, tout ceci vous pouvez vous éduquer. Mais pardonnez-moi si vous allez loin là-bas, juste pour revenir sur le sujet qui nous a réunis aujourd'hui. Vous parlez donc de l'importance de la surdité. Spirituellement parlant, mystiquement parlant, il est important d'être sourd. Fermez les oreilles sur ce que les gens disent en observant ce que les gens disent. Quand vous les observez, vous écoutez. Voilà la surdité. Écoutez plus et gardez le silence. Vous allez voir. Vous verrez que vos pouvoirs vont se développer. Écoutez plus et gardez le silence. Donc, gardez le silence et devenir sourd, il y a une relation. Car de par votre surdité mystico-spirituelle, en fermant vos oreilles sur ce que les gens disent, ça ne veut pas dire que vous ignorez. Vous écoutez, mais dans le silence total, vous faites des analyses intérieures. Vous analysez tout à l'intérieur. C'est de cette sorte que vous devenez sourd. Oh, mais monsieur Onoubier, est-ce que vous avez écouté? Oh, pardonnez, moi je ne sais pas ce qui se passe. Vous jouez à l'ignorant. En fait, c'est ça, c'est le sourd. Le sourd, c'est celui qui joue à l'ignorant. Celui qui garde le silence joue aussi à l'ignorant. C'est comme s'il ne sait rien du tout. Les gens me disent, mais comment? On ne t'entend plus parler d'histoire politique. Je joue à l'ignorant. Alors que je voyage de temps en temps. Je vais chez moi au Gabon. Je vois tout ce qui se passe sur le terrain. Je suis au courant de beaucoup de choses. Je suis dans près de 150 réseaux, comment on appelle ça, forums gabonais. Et dans les forums africains, les autres pays africains, je suis en plein là-dedans. Mais je garde le silence et je fais semblant d'être sourd. C'est cela le comportement d'un véritable initié. Et j'avoue que partout où je passe, je dis toujours que je ne connais pas. Alors qu'en réalité, je connais. Ça, c'est le conseil pour conclure. Pour que vous puissiez évoluer dans votre vie de manière générale, jouez à l'ignorant, jouez à l'homme sourd. Faites tout pour que les gens avalent votre orgueil, quoi. C'est-à-dire que même si vous connaissez, comprenez, c'est cela qui bloque l'évolution de beaucoup d'entre vous. Même les esprits se rebellent, les esprits même refusent de vous donner les grandes connaissances.
les maîtres invisibles des grandes arcanes secrètes vous ferment les portes parce que vous êtes orgueilleux, parce que vous dites toujours je connais, je connais. Or, nul ne connaît ici-bas. Hein? Nul ne connaît. Je vous le fais que vous le répétez qu'en 49 ans, en juin, ça fera 49 ans, j'ai commencé en 1974. Depuis 1974, que je suis sur le cheminement spirituel, j'apprends tous les jours, même si je suis à une troisième incarnation consciente de mon initiation mystico-spirituelle, mais j'admets que je ne connais pas. Il y a ce phénomène qu'on appelle du déjà-vu qui se manifeste à chaque fois à moi. Je me retourne dans des zones où je m'en souviens que tiens, on dirait que j'étais là. Ça remonte il y a 150 ans, il y a 200 ans. Mais ça reste des secrets à moi. Je ne peux pas les partager aux gens. Voilà pourquoi on vous a dit que les expériences mystico-spirituelles, les expériences spirituelles, on ne les partage pas. On ne partage pas ces secrets. Hein? Comme je l'ai dit sur TikTok, à la question qui m'a été posée, que mais vous êtes initié, est-ce que vous devez partager vos secrets avec votre femme ou votre mari? Si la personne n'est pas initiée, non, ne le faites pas. Par contre, si la personne est initiée, oui, et même là, moi j'ai des frères qui sont dans le Buti Misoko, je suis dans le Buti Disumba, mais quand on se retrouve, on parle seulement famille, on ne rentre pas dans les histoires de Buti. Non. Maintenant, quand il va commencer, bon, c'est vrai qu'on s'échange nos combos, hein, nos spirituels, les noms qui sont venus avec nous au retour de notre voyage initiatique. Hein? Ah, mais toi, toujours là, hein, avec ton combo trop lourd, là, mais mon Dieu. Et surtout quand je tape mon combo de quota, où je dis souvent, quand les frères entendent ça, ils disent, mais c'est pas possible, ça, c'est quel combo, ça? Mais ça dit beaucoup de choses. Ça, j'ai pris ça auprès des rites quota où j'étais initié. Mais pour vous dire que gardez vos secrets à vous, ne diffusez pas trop vos secrets. Vous avez des connaissances, oui, données. Par exemple, moi, j'ai des milliers de connaissances. Je suis presque une encyclopédie. Bon, ben là encore, les gens vont dire, oui, il est trop orgueilleux. Ça va, je ne suis pas une encyclopédie, je ne connais rien. Mais le peu de ce que je ne connais rien là, je partage. La preuve, il y a près de 310 rites et traditions qui sont disponibles ici. Lesquels rites vous les faites, vous verrez votre vie changer. Mais en dehors de ça, j'ai d'autres milliers de rites. Par exemple, je vous ai parlé des rites qu'on peut trouver à partir d'Iboga, des rites qui peuvent permettre de soigner à partir des mélanges que vous faites avec l'Iboga, et mille et une recettes. En dehors de ça, il y a également des rites que vous pouvez faire avec votre chien, que vous pouvez faire avec un chat et un chat noir. Je vous ai parlé de l'importance d'avoir le chat. Bref, tout ça, c'est des choses, mais ça fait partie du peu seulement que je connais. Je ne connais pas grand-chose. Je suis un ignorant, je suis un tocard, je ne connais pas. Pas tocard au sens négatif, c'est-à-dire qu'un bébé. Mais étant bébé, ça ne m'empêche pas. Par exemple, quand je suis parti récemment, là encore, je vais repartir dans quelques semaines au Gabon. Je vais auprès des vieux pygmées, aux vieux de vieux papa, les vieux sages. Toujours en train d'apprendre, c'est cela. Vous êtes un éternel étudiant. Mais aujourd'hui, le thème que je choisis, le silence et la surdité, doit être désormais votre manière d'évoluer spirituellement, si vous voulez vraiment avoir la grande capacité et la sagesse de vous connecter avec les grands maîtres. Parce que ça résulte de mes méditations. Hein. J'ai médité beaucoup sur ça. Et comme ça, les maîtres invisibles ou encore mes ancêtres, mes entités là, me donnent des informations. Et parfois, c'est au cours des voyages, les voyages que nous faisons dans le monde invisible, quand nous sortons, hein, c'est-à-dire que quand nous biloquons de là-bas, on va également apprendre. Et c'est au retour de là-bas que nous recevons certaines informations. Donc, ceci est le résultat de mes méditations transcendantales où je suis venu vous expliquer que, voilà, la sourdité et le silence, c'est très important. C'est dans le silence qu'on évolue, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit au début de mes propos, vous verrez que le mot silence dans la Bible, il y a plus de 1000 fois on mentionne le mot silence. Hein? Le Dieu d'Israël, là, il dit toujours silence. Le Dieu de Moïse, il dit toujours silence. Le même Dieu de Jésus, des chrétiens, là, il dit toujours silence. Et toujours silence. Et même quand vous lisez le récit de Jésus, là, il se dégageait là des heures impossibles dans le silence. Il ne voulait pas le bruit. Ceci, cela. Il va s'énerver, il va taper les gens dans le temple, il casse tout.
Mais nous, l'homme africain, je ne sais pas. Je vois même sur TikTok les gens qui font des débats. Des journées entières, ils se mettent à crier, à transpirer. Qu'est-ce qu'ils gagnent là-dedans? Je ne sais pas. Ça ne fait que développer la haine. Ça ne fait que développer les divisions. Les frères musulmans qui se battent avec les frères chrétiens à travers les versets de la Bible. Mais ça va vous amener où? Bon, laissez-les, je ne les juge pas. Ça, c'est à leur niveau d'état de conscience. Mais nous qui sommes initiés des grands mystères, pour nous, il nous est interdit de rentrer dans le débat. Laissez la liberté à tout un chacun de suivre son Dieu, que ce soit le Dieu du canard, que ce soit le Dieu du chien. C'est pour cela que j'aime l'Amérique, hein, d'autre part. J'ai des amis qui sont satanistes, non? Je vous l'ai dit. Ça ne me dérange pas d'avoir des amis satanistes. C'est des mecs qui sont des médecins. J'ai des amis, je vous ai dit. Quand je dis amis, bon, c'est pas trop amis, 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 mais nous sommes des collègues. C'est-à-dire, nous sommes tous des fonctionnaires. Je fréquente leur milieu. Les gens qui sont des maîtres maçons, comme je le fus de par le passé, ceux qui sont des luciférien. Je vous ai dit que le plus grand temple des luciférien se trouve à Dayton, ici. Bien que le headquarter se trouve à New York, les gens, ils boivent le sang. Et même, ils ont même dit par comment ils gagnent le sang des humains, là. Donc, ces mecs-là, est-ce que je vais aller avec une épée, aller les tuer, tirer dessus? L'État américain, que ce soit au niveau fédéral ou local, respecte ces mecs-là. Il y a des présidents. Est-ce que vous savez ce que notre président Joe Biden, quelle pratique il fait? Ça là, c'est son business à lui. Si l'homme africain, le jour où l'homme africain va arriver à ce niveau-là, de se respecter, de respecter les opinions des uns et des autres, en gardant le silence, en devenant sourd, comme je l'ai dit tout au début de mes propos, vous verrez que l'Afrique va se réveiller. Donc, apprenons à garder le silence, apprenons à fermer nos oreilles et soyons un génie et soyons des hommes et des femmes sages comme Beethoven que vous connaissez. Je vous prie d'aller écouter la symphonie numéro 9 de Beethoven. Vous verrez que cette symphonie, il l'a faite à un âge proche de sa mort. Bon, il est mort jeune, hein, le pauvre. Mais il était déjà sourd, il n'entendait rien du tout. Mais il a écrit cette symphonie très puissante qui aide beaucoup de personnes aujourd'hui. Symphonie numéro 9. Ceci pour vous dire que c'est cela, un véritable homme. Pardonnez, c'est ma chaîne qui est en train de ronfler. Willa, don't do that. You're distracting my video. Donc, si vous essayez de vous comporter de la sorte, gardez le silence. Choisissez un jour dans la semaine où vous n'allez pas parler du tout. Vous fermez les téléphones, vous fermez tout, même au travail, n'allez pas. Choisissez un jour où vous êtes de repos. Évitez de parler ni à... Mais vous avertissez d'abord la famille. D'accord? Pour moi, c'est devenu un rite naturel. C'est 3 jours dans la semaine. 3 jours. C'est-à-dire les dimanches, lundi, mardi. Je ne parle pas du tout. À mon lieu de travail, je mets déjà le signe qui est là, qui dit Don't disturb. Voilà comment ça marche. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci beaucoup.